Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3, où nous devons encore, une fois de plus, donc aider quelqu'un qui est tout à fait particulier, puisque c'est un mutant, un super mutant. Alors, très difficile. Interesting. Non. Infestation. Ah, c'est mieux. Un petit peu d'XP. Alors, identifier le spécimen, sujet B444. Éliminer le spécimen. Oula. Hop. Je pense que le spécimen est éliminé. Peux-tu me déverrouiller la porte? Porte déverrouillée, je te remercie. Hop, bonjour. Centaure. Oh, il avait une épingle à cheveux sur lui, le pauvre. Comme c'est cruel comme fin. J'ai encore une quantité de flammes là-dedans. Aïe. Ça m'apprendra. Il semblerait que je sois en danger. Effectivement, je suis en danger. Alors, importantly, non. Controlling, non plus. Observation, non plus. Ah ah. Serait-ce un défi, chers amis? Examination. Non. Dismember. Non. Hospitality. Ah, c'était hospitality. C'est bon, ça. N'est pas trop mauvais. Identifier le spécimen. Sujet AC-1541. Éliminer le spécimen. Déverrouiller la porte. Voilà, cette fois on fait attention. C'est un centaure. Avec des bouts d'humains. Pourquoi pas? Continuons. Boîte. Ah ah. Ça, c'est intéressant. C'est même extrêmement intéressant. Observation? Non. Information non plus. Infestation encore. D'accord. Oh, niveau 20, chers amis. On se fait le spécimen. Déverrouiller la porte. Alors, voyons voir. On a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Ok. Parfait. Arme à énergie, on va mettre des points. Réparation, on va mettre une chier de points aussi. Hop, voilà. Discrétion, on met le dernier point qui nous reste. Alors, nous avons Fanana, tueur de femme, les juniors, la taille compte. Bref, on a une chier de trucs. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant aussi. Mais je pense qu'on va prendre sniper, chers amis. Tellement d'échecs. Faut continuer à essayer. Ah ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je t'ai sauvé la vie! Je t'ai sauvé la vie! Je t'ai libéré! Oh! Mais t'es tellement moche en plus! Oula! SVAV. Dans la tête, s'il vous plaît. Voilà. Si par contre l'animation pouvait se terminer, on change d'arme. Ah bah non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà. Parce que je me suis dit, s'il y a du gaz dans la zone, mais bon, j'avais déjà tiré quelques balles avant.
Alors. Ok. Sauvegarde rapide. Y serions-nous, chers amis? Oh. Console de contrôle d'incendie. Alors. Maintenant. Ah, voilà. Annonce. Non. Conquérant. Oui, c'est bon. Alors, peut-être qu'on va pouvoir ouvrir le truc sans. Rappelez-vous! Hop là, on va déjà s'occuper de celle-là. On verra ensuite pour le reste. Est-ce que ça lui a ouvert quelque chose? Enfin, la Salut! liberté! La vraie liberté! Je ne pourrai jamais assez vous remercier de ce cadeau. Oh, mais de rien. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je rêve de cet instant. Et c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Maintenant, ma part du marché. Suivez-moi. Avec plaisir. Par contre, je serais curieux d'avoir vu ton terminal. Ah oui, il est vachement en bon état. Bonjour. C'est limite s'il m'attendait pas derrière la porte, celui-là. Voilà. Oula! Meurs! Ma santé! Il veut pas mourir, chers amis. Ouh, j'ai une chier de. Alors c'est marrant là, c'est. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour de Fallout, une toute petite mise à jour de quelques kilooctets. Et je me demande si c'est pas un bug. Enfin, si elle résout pas le problème de comment de comment que s'appelle de souris qu'il y avait. Qui était au niveau de la sensibilité de la souris. Ouh, c'est beau ça! Votre temps ici. Tout. Et du coup, le jeu est redevenu injouable. Enfin, je pense à régler ça pour le prochain épisode, chers amis. Alors. On va reprendre le shotgun, parce qu'à mon avis, on va plus en avoir besoin. C'est une clé. Bonjour. Non. Si t'arrives. Tu sais que t'es juste magnifique. Content de voir que tu peux passer dans les portes. Allez, dépêche. Alors, je suis désolé si ma souris, par exemple, fait du bruit. Non, je suis encore dans le jeu là. Si le déplacement de la souris fait du bruit, c'est parce que je suis en train d'essayer d'aplatir mon comment que s'appelle mon. Mon tapis. C'est toi qui as dit je suis l'exécuteur? Mais c'est épique comme phrase, c'est à moi de le dire! Putain. En plus, il me vole des répliques cool. C'est moi qui prends tous les dégâts et c'est lui qui prend les répliques, quoi. What? Non, mais il va m'attendre, ne vous inquiétez pas. Hein. Hop là. Oh! Oh! Ah, bla! Alors, pour certains qui l'entendent peut-être déjà, je suis encore malade. What? La tenue hazmat qui pop de nulle part. Casier vide, faut que je regarde avant. Rien du tout. Ok. Alors normalement il s'est arrêté, j'espère qu'il n'a pas crevé comme un con. Manquerait plus que ça.
Ah bah la porte s'est ouverte finalement, non? Ah bah non? What? Attendez, 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 attendez. Je viens de là. J'ai fait ça. Je l'ai tué. Ah oui, d'accord, en fait, oui, j'ai juste pas fait attention. J'ai juste été trop con, quoi, en fait, c'est ça? J'ai juste été trop con. C'est pas possible. Oh mon dieu. Alors j'espère qu'il est pas mort. What? Il a disparu. Bonjour. Ça m'inquiète. Non, franchement, là, les amis, ça m'inquiète. Je vais retrouver des bouts de faux quelque part. Oh là là. Non, il est là. Pof. Il vient de sortir une phrase épique. Que pour savoir que je suis en vie. C'est très bizarre comme phrase. Je m'échauffe à peine. Ah, mais il est classe celui-là, dis donc, ouais. Voilà. Voilà. Continuons, cher ami. Alors, terminal de chambre, casier, casier, casier vide. Bon, est-ce que je peux ouvrir ce truc-là? Ah! Bon! Bien! Restez ici! Je vais aller chercher la mallette et la rapporter! Gardez l'œil ouvert! Certains de mes frères moins évolués risquent de tomber sur nous. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. What? Ah oui, effectivement, ça fait mal. Niveau radiation, ça fait extrêmement mal. Radaway. Ça va pop, j'imagine. Vous vous rendez compte que je pourrais fermer la porte derrière lui? Eh mon pote! Ça a l'air d'aller! Voilà le Jack! Nous sommes quittes! Comme promis, voilà le Jack. J'espère qu'il en vaut la peine. Eh bien, je crains que nous ne devions nous séparer. Je réussirai à sortir d'ici, vous en faites pas. Nous nous reverrons peut-être quelque part dans... Ah mais j'espère bien, tu me plais. Allons-y. Je dois avoir une tenue hazmat. Tenue environnementale. Plus. Un radix. C'est un cul-de-sac. Y'a rien dedans? Non. Radaway. Là non plus. Argla. Radaway. Non, y'a rien. Vraiment dommage. Bon, bah on va remettre notre armure. Hein. Tout ce qui est plus classique. Manteau de régulation.
T'es en train de me dire que depuis une chier de temps, je suis à poil. Merci, je. Tu me remontes le moral. Bon, bah on rentre alors. La la la. C'était sympa cet endroit. Petite surprise, des trucs du genre. Voilà, juste pour voir si j'enlève mon éclairage perso. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai été flashé. Oh putain. Oh putain. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Beau travail, soldat. Veillez à ce que le Jack soit placé à bord de mon Vertipter. Oh putain. Entendu. Je vais demander au technicien de descendre et d'enlever ça immédiatement. Il n'a rien, c'est certain? Entendu. Il restera brièvement sans connaissance, mais nous pourrons le ranimer. C'est très bizarre, là. Le dialogue est pas bon. Immédiatement pour son transport. Immédiatement. Immédiatement. Oh nom de Dieu, des gens comme ça, moi je les bute habituellement. What? Mais Ah, je suis en tôle! on se réveille. Salaud. Bien, faisons simple. Vous allez me donner le code de ce purificateur et tout de suite. C'est une erreur, vous vous trompez de personne. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, mais ne faites pas de mal. Laissez-moi sortir, et Si vous me vite! donnez le code, on vous laissera peut-être la vie. Mais vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit, pas vrai? Allez vous faire foutre, je ne vous dirai Je vais rien. être franc. Je commence à manquer de patience et je n'ai pas envie de jouer. Donnez-moi ce code ou vous allez le payer cher. Contrairement à toi, je suis endurant, si tu vois ce que je veux dire. Non, sérieusement, allez vous faire foutre. Pourquoi cherchez-vous à me provoquer? Donnez-moi le code, Je vite! suis le dernier à Colonel, pouvoir... j'ai besoin de vous. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps. Je vous rejoins bientôt. Maintenant, colonel. Oui, monsieur. Je suis le dernier à pouvoir donner le code. Tu es baisé, littéralement. Par contre, c'est marrant, on a l'impression qu'il y a des textures HD dans cet endroit. Ah, enfin, un peu de tranquillité. Oui. Je vous prie d'excuser l'attitude du colonel Hawton. Il a été assez stressé ces derniers temps. Je vois ça. Vous savez sans aucun doute qui je suis. Je suis certain que vous avez entendu mes messages à la radio. Tout à fait. J'aimerais vous rencontrer face à face. Je crois qu'il y a plusieurs questions dont nous devrions discuter. Vous trouverez vos affaires dans le casier près de la porte. Je vais vous dégager le passage. Et je vais débloquer vos entraves. Je vous attends dans mon bureau. Trop aimable. Oh, je suis à poil. Merci. Tout prendre. Me dis pas qu'il faut que je remette toutes mes armes. Oh la gueule, je suis sûr qu'il faut que je remette toutes mes armes. Bon, bah on y va. Chapeau de fête, et puis on est parti. C'est la fête, chers amis. Où est-ce qu'il est mon... All planless. Bon. Hop. F5. D'accord. Au cas où. Allons-y. Oh, on dirait la porte de ma chambre, ça fait pareil. On ne bouge plus. Vous devriez être en cellule. Il y a un groupe de gardes dans la salle voisine. Dès que je les appellerai, vous retournerez en cellule, dans un sac s'il le faut. Discours. Wow, on se calme, j'ai l'autorisation d'être ici. Je ne tiendrai... Vous n'irez... Alors, j'ai envie d'y arriver à ce mec, ce pauvre mec. Donc, on va mettre nos plus beaux vêtements, chers amis. Voilà. Pepepepepepe. Pepepepepepe. I want you On ne bouge plus. to be Vous nice. devrez... Il y a... Qu'est-ce que ça?
Un instant, chers amis. Il y a un bruit bizarre.